J'ai la domination. Give the Lord a big hand. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Engaging the power. Engagez le pouvoir de la prière et du jeûne pour la domination. Engagez le pouvoir de la prière et du jeûne pour la domination. It takes power. Il faut la puissance pour commander la domination. And it takes prayer and fasting. Il faut la prière et le jeûne pour être vêtu de puissance. Oh, everyone that thirsted, come ye to the waters. Que tous ceux qui ont soif viennent aux eaux, et il parlait du Saint-Esprit. It takes a thirst. Donc il faut une soif to be empowered by pour être revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Jean 7, verset 37 à 39. Tous ceux qui croient en moi, du leur sein couleront des rivières d'eau vive. Dans Ésaïe 41, verset 17 à 21. When the poor and needy, lorsque les pauvres et les nécessiteux cherchent de l'eau et qu'ils n'en trouvent pas, et qu'ils lorsqu'ils ont soif, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, parlant du Saint-Esprit, et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Lorsque nous engageons dans la prière et le jeûne, Dieu dit qu'il nous ouvrira des sources, des fleuves, il fera jaillir des fleuves des collines. Et lorsque les pauvres et les indigents cherchent de l'eau et qu'il n'y en a point, et que leur langue est desséchée par, sa soif, par la soif, c'est ce que nous avons dans le jeûne. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves. Donc, nous accédons au revêtement de puissance du Saint-Esprit au prix de la soif. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi pour voir ta puissance. Donc, nous ne pouvons pas voir sa puissance sans une soif de l'âme et un soupir du corps. Psaume 63, versets 2 et 3. Verset 1 à 3 du moins. Si vous voulez voir sa puissance, alors il doit avoir une soif de l'âme et un soupir de la chair. Jésus, il a traversé une soif de l'âme et un soupir du corps. Et il est revenu revêtu de puissance par l'Esprit en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans toutes les régions alentour. Donc lorsqu'il fut revêtu de puissance, il a marché dans la domination. Et de là, tout le chapitre 4 est une démonstration de la domination de Christ qui a suivi le revêtement de puissance de l'Esprit qu'il a rencontré par l'autel de la prière et du jeûne. Il n'y a aucune chose de valeur qui ne soit gratuite. La domination, c'est simplement avoir les choses comme vous le voulez, sans tenir compte des oppositions. Avoir les choses comme vous voulez, sans tenir compte des oppositions. L'Éternel dit à mon Dieu, assieds-toi à ma droite pendant que je fais de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. L'Église domine au milieu de tes ennemis.
La domination, c'est avoir les choses comme vous voulez, sans tenir compte des ennemis. Thou anointest my head with oil and my tu oil d'huile ma tête et ma coupe déborde. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Doing as occasion serve you. Donc faire les choses comme vous voulez, sans tenir compte des ennemis, et vous y arrivez. I said you are getting there. Je dis vous y arrivez. But it's all at the cost of prayer. Mais tout est au prix de la prière et du jeûne. La vérité est que nul ne peut marcher dans la puissance without understanding that mystery. Sans comprendre ce mystère. To keep your car on the road, pour que votre voiture reste sous la route, vous devez remplir d'essence, recharger d'essence. Si vous ne mettez pas de l'essence ou du carburant, votre véhicule va rester garé et sera rouillé jusqu'à ce que vous vous repentiez de votre ignorance. Cette voiture ne se mettra jamais sous la route si vous n'avez pas la volonté de remettre du carburant. Ne laissez pas votre vie se garer. Ne laissez pas votre vie prendre la poussière. Rechargez en carburant et mettez-vous sur l'autoroute de la vie. Rechargez. Soyez engagés à respecter les exigences du rechargement en carburant. Soyez engagés. Ne laissez pas votre vie se garer. Ne laissez pas la poussière prendre place dans votre vie. Soyez engagés. There are many stories of oh, it used to be great. Il y a beaucoup d'histoires où on dit oh, il était très grand. At your age, à ton âge, what is are you telling? Mais quelle est l'histoire dont tu parles? It's not the path of the just. Ce n'est pas le chemin du juste dont nous parlons, qui doit briller de mieux en mieux, jusqu'au jour parfait. Beginning from this time, you will à partir d'aujourd'hui, never suffer a setback again. Vous n'aurez plus de retour en arrière. Your life will not be packed at the votre same vie spot ne again. Sera plus garée au même niveau. So important. C'est très important. The apostles were in prayer and fasting. Les apôtres étaient dans la prière et le jeûne. In the upper room, dans la chambre and haute. Then power broke out. Et la puissance est descendue. And then they got into prayers. Et ils sont entrés dans la prière. Et le peuple a vu la puissance de Dieu. Donc c'est en niveau. Nous devons nous engager à l'exigence de recharge en carburant pour rester sous la route de la vie. C'est pourquoi la parole dit « quand vous priez, pas si vous priez ». Matthieu 6, 6. Mais quand vous priez, quand vous jeûnez, Matthieu 6, 17 et 18, donc la prière et le jeûne sont partie prenante de notre aventure chrétienne. Donc nous devons les voir ainsi et embrasser cette exigence de tout notre cœur. Ce ministère n'a jamais été garé en 38 ans d'existence. Votre vie ne sera jamais garée encore. Ce ministère n'est jamais resté au même niveau en 38 ans. Votre vie ne restera plus jamais au même niveau. No experience is a substitute for refueling. Aucune expérience ne se substitue au rechargement en carburant. You have had your lamp perhaps for many years. Peut-être que vous avez eu cette lampe pendant beaucoup d'années. Don't watch the oil in your lamp get exhausted. Mais ne laissez pas l'huile se finir dans votre lampe, sinon ça va s'éteindre. Sans tenir compte de l'expérience de cette lampe. Ou peu importe l'expérience de cette lampe. Vous êtes la lumière du monde, mais vous devez recharger, vous devez mettre de l'huile dans cette lampe pour que ça puisse rester et allumer. Quelqu'un a dit, tu ne connais pas le sens de si Dieu est pour moi jusqu'à ce que Dieu soit contre toi. Vous ne savez pas le sens. May you never be caught powerless
any more in your life. Mais que vous n'arriviez plus à un niveau où vous manquez de puissance dans votre vie. Satanic attacks have no timetable. Les attaques sataniques n'ont pas de calendrier, ça vient tout le temps. Therefore, be sober, be donc, vigilant. Soyez sobre et vigilant. The devil is going about parce que votre adversaire, le diable, rôde en cherchant qui dévorer. We must stay awake. Donc nous devons rester éveillés. To the demand for empowerment. Et respecter les exigences pour le revêtement de puissance si nous voulons vivre une vie triomphante et marcher dans la domination. Every item on God's prophetic agenda for tous les sujets dans le plan de Dieu pour l'Église des derniers temps exigent la prière et le jeûne pour leur accomplissement. The last days are the days of les derniers jours sont les jours de sa puissance. Et power demands prayer and fasting. La puissance for delivery. Exige la prière et le jeûne pour son accomplissement. The last days are the golden days of the church. Les derniers jours sont les jours en or de l'Église. And Zechariah chapter 4 verse 1 to 6. Et Zacharie 4 verset 6. That this golden era is not possible by power nor by might, but by my spirit. Que cette période en or n'est ni possible par la force ou la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. To make that happen, et il faut le revêtement de puissance de l'esprit pour le faire. Cela nécessite la prière et le jeûne pour sa manifestation. We are also in the last days, the nous sommes aussi dans les derniers jours, les jours de fortune ou d'enrichissement surnaturel dans le corps de Christ. And wealth et la richesse empowerment nécessite le revêtement de puissance pour se maintenir à cause de la colère du méchant. So this morning we look briefly into donc ce matin nous allons voir brièvement the fact that the last days are the days of supernatural wealth. Le fait que les derniers temps sont les temps de la richesse surnaturelle dans le corps de Christ. Souvenez-vous que les riches dominent sur les pauvres. And the borrower is servant to the lender. Et celui qui prête est serviteur de celui qui donne. Celui qui emprunte est put in place a plan for supernatural wealth that will make that happen. Wealth requires la richesse nécessite empowerment le revêtement de puissance for sustenance. Pour le maintien. Now, the last days, maintenant, les derniers temps is ordained to make the church of Christ the voice. Sont ordonnés pour faire de l'Église de Christ la voix ou alors l'autorité sur la terre. Parce que c'est de Sion que viendra la loi. La loi veut dire que la voix de l'autorité. And the word of the Lord from Jerusalem. Et la parole de l'Éternel de Jérusalem, Michée 4 verset 1. Mais Ecclésias 9 dit: a poor man's wisdom is despised. La sagesse du pauvre est méprisée. And his words are not heard. Et ses paroles ne sont pas entendues. So it takes donc empowerment for wealth to give the church of Christ a voice. Donc il faut la richesse pour que l'Église de Christ ait une voix. Number 3. Troisièmement, this gospel of the kingdom shall be preached among all nations. Cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations et ainsi viendra la fin. Matthew 24 verse 14. Matthieu 24 14. Isaiah chapter 1 verse 17. Et Zacharie 1 17 dit: my cities through prosperity shall yet be spread abroad. C'est par la richesse que mon
ma ville s'étendra. That implies, cela implique. Matthew 24, 14 cannot be realized. Cela veut dire que Matthieu 24, 14 ne peut pas se réaliser a supernatural release of wealth sans un relâchement surnaturel de richesse dans le corps du Christ. Toutes ces choses sont des points prophétiques qui prouvent que les derniers temps sont les temps de richesse surnaturelle dans le corps du Christ. Car la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Et en ces jours, lorsque j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de ses propres fils. Donc, servir Dieu est ce qui vous qualifie, il nous qualifie, vous et moi, pour avoir les richesses. Servir Dieu et les intérêts du royaume. Malachie 3, versets 17 et 18. La richesse de Dieu visite la terre en ces derniers jours. Les richesses du ciel descendent vers les fils de l'homme en ces derniers temps. Mais si vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous donnera les vraies richesses? Luc 16, verset 11. Et cela commence au verset 10. Celui qui est fidèle en peu de choses sera aussi fidèle en beaucoup. Celui qui est injuste dans peu sera aussi injuste dans beaucoup. Donc la fidélité dans peu est ce qui permet de recevoir la richesse du ciel dans ces derniers temps. Et c'est très important. Maintenant, nous découvrons que ce plan est délivré sous la plateforme de l'Alliance. Souvenez-vous que c'est l'Éternel qui nous donne la force pour gagner des richesses. Et donc, l'alliance nous permet d'avoir les richesses, mais c'est le revêtement de puissance qui nous permet de maintenir cette richesse. L'alliance nous habilite à la richesse, mais c'est le revêtement de puissance qui nous qualifie pour la maintenir. Pourquoi? Premièrement, Psalm 112, verse 9 and 10. Psaume 112, versets 10, 9 et 10. Il donne aux pauvres sa justice dure pour toujours. Verset 10. Le méchant le voit et s'irrite. Coupe sa tête. Détruit ses affaires. Le méchant le voit et s'irrite. Vous êtes dans l'alliance, le méchant est énervé contre la bénédiction de l'alliance. Et c'est pourquoi vous avez besoin du revêtement de puissance. Le seul langage que le diable comprend, c'est le langage de la puissance, la puissance, la puissance. Et parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va frapper, donc restez dans la puissance. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il réunira son armée contre vous, donc restez revêtus de puissance. Donc il vient le jour ou la nuit, vous êtes solide, solide, prêt. Prêt au combat. Nous accédons à ces bénédictions par la pratique de l'alliance, mais nous maintenons les bénédictions par le revêtement de puissance. Donc, veuillez comprendre cela. Maintenant, deuxièmement, nous voyons une fortune financière extraordinaire qui vient vers nous dans ces derniers temps. Individuellement. Job 22, verset 21. Thereby shall good come unto thee. Receive, I pray thee, the law from his mouth and lay up his words in your heart. That's covenant. C'est l'alliance. If you return to the Almighty, you shall be built up. Then you shall put away iniquity far from their tabernacles. And then the next verse, then shalt thou lay up gold as dust. Jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. L'ennemi sera énervé, mais le Tout-Puissant sera ton or.
You don't need defense if there are no attacks. Vous n'avez pas besoin de défense sans attaque. The enemy will launch a heavy attack. L'ennemi va attaquer une attaque. Il va lancer une attaque contre ta bénédiction, mais je serai ta défense. Et donc tu auras beaucoup d'or. We need defense because nous avons besoin de défense parce qu'il y aura des attaques. We must stay in power. Nous devons être revêtus de puissance. Ups and downs must end in your les life. Hauts et bas doivent cesser dans votre vie. Stay in power. Nous devons rester revêtus de puissance. Now, the Lord heard in the day of trouble, Psalm 20 and verse 1. Psalm 20, verset 1. The name of the God of Jacob defend le nom du Dieu de Jacob te défendra. Send thee help from his sanctuary, strengthen thee out of Zion. Qui se souvient de Remember your covenant que le sanctuaire il t'envoie du secours et de Sion il te soutienne, qui se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Donc il y a des jours de détresse programmés par le diable contre ceux qui pratiquent l'alliance. Donc nous avons besoin du revêtu de puissance pour garder le diable à distance. Maintenant, enlevez notre jeûne hebdomadaire and our monthly 3 days of prayer, et nos trois jours de prière mensuelle. Alors vous verrez comment nous sommes faibles. You see how weak. Vous verrez comment nous sommes faibles. He has helped us to sustain grace. Il nous a by paying the aidé price à maintenir la grâce en payant le prix pour maintenir cette grâce. Our ministry will be 38 years. Notre ministère aura 38 ans en mai. By his grace. Par sa grâce. I cannot count if any week ever passed in those 38 years without me being a fast. Je ne peux pas compter une semaine pendant ces 38 ans sans avoir gêné un jour au moins. You come at me in the morning, tu viens contre moi le matin, je suis prêt. You come in the afternoon, tu viens l'après-midi, je suis là. Tu viens dans la nuit, je suis là. You come in my sleep, I tu viens dans mon rêve, je suis là. By grace. Par la grâce. Everything that works in life is at a cost. Tout ce qui marche dans la if vie a un prix. Who would you like to kill, number one, si tu vois le diable, tu demandes le diable qui il veut tuer now le premier au Nigeria. Said, I've been looking for the one who can. Il va dire cet homme. Qui peut le tuer? Bon, je cherche if encore celui qui est capable de le tuer. To go. Si le diable parle à un démon, il va the le dire toi, il faut partir. Celui qui est venu la dernière fois n'est pas revenu. Donc, Satan, je suis désolé, mais je ne peux pas aller. S'il vous plaît, restez revêtus de puissance en payant le prix pour rester dans la puissance. Restez dans la puissance en payant le prix pour rester au pouvoir. Quand vous priez, quand vous jeûnez, that's what makes it work. C'est ce qui fait marcher les choses. Oh, I thank God 21 days will soon be over. Ah, je remercie Dieu, bientôt c'est fini avec les 21 jours. Amen. It's a lifetime requirement. C'est une exigence qui dure toute la vie. Going to filling station is aller à la station de carburant est, c'est nécessaire pour que votre véhicule roule. You and your wife are one flesh, but votre your femme car et vous doesn't know that. Sont une chair, mais votre voiture ne le sait pas. Le carburant de la voiture de ta femme ne peut pas conduire ta voiture. Et le carburant de la voiture de ton mari ne peut pas conduire ta propre voiture. Donc chacun doit chercher la puissance. Pour ne pas se garer et rassembler la poussière ce soir. Tout le monde. I better talk to women right now. I better talk to women. Je préfère parler aux femmes qui sont là maintenant. If she had no fuel in her system, si elle n'avait pas de carburant dans son système, elle serait morte. You better stay in power. Vaut mieux garder la puissance. We have never had a better last year as a commission. Nous n'avons jamais eu un meilleur passé en tant que commission. Vous n'aurez plus. Every year shall be a build up. Chaque année sera bâtie sur la précédente. That's what makes it work. C'est ce qui fait marcher les choses. All these 10 finger eating people, they don't go far. Toutes ces gens qui mangent avec les 10 doigts ne vont pas loin. Ils vont pas loin. Then he hits your head. Hey, my head is aching. En ce moment, il cogne ta tête et dit, oh, j'ai mal à la tête. One day I was
Un jour, je rentrais dans mon bureau et à Kaduna, j'avais un biscuit et je voulais le mettre dans ma bouche. Il m'a dit, jeûne aujourd'hui. Et j'ai déposé le biscuit. Je ne vais pas vous le demander personnellement parce que ce qu'on dit déjà de le faire ensemble, vous ne voulez pas le faire. Comment il peut te parler personnellement si tu ne peux pas gêner déjà en groupe avec les autres? Nous, le Seigneur. Donc réveillez-vous. Va vers ceux qui vendent et achètent. Pas avec l'argent. Vous l'achetez avec une soif de l'âme et un soupir du corps. Les gens m'appellent pour des urgences. Oh, quelqu'un est kidnappé. La voiture, quelqu'un a eu un accident. Et il faut qu'il ait une réponse instantanée. Parce qu'il y a du carburant pour répondre. Il y a du carburant pour répondre. À partir d'aujourd'hui, on ne vous verra plus sans puissance. Pourquoi avons-nous besoin de revêtement de puissance? Dans Zacharie 1, 17, nous avons vu le plan de Dieu. Je vais conforter Sion. Et je choisirai Jérusalem. Et voici, je voyais quatre cornes. Et il m'a dit, c'est les quatre cornes qui ont dispersé Jérusalem, Judas. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et le forgeron, les forgerons sont venus rassembler tout ce que les cornes sont venues disperser. Donc, il y a des forces qui résistent aux bénédictions de Dieu de couler dans votre vie. Et vous avez besoin de puissance pour les soumettre. Parce que c'est par ta puissance que tes ennemis se soumettent. Ces forces-là doivent être soumises. Ezra 4, versets 23 et 24. We have this clear illustration here. Nous avons cette illustration claire. He went up in haste to Jerusalem. Il est parti en urgence à Jérusalem vers les Juifs. And made them to seize by force and power. What did they make to seize? Verse 24. Then seize the work of the house of God, which is later Jerusalem. And it seized unto the second year of the reign of Dairos, king of Persia, by force, par la force et par la puissance. He stopped the advancement of the il work a of the house arrêté of the Lord l'avancement de la maison by du Seigneur wicked ass, par la méchanceté. He stopped finances from flowing into the lives il of a cessé il a arrêté le flux de finances dans la vie des peuples de Dieu. Par la force and power. Par la puissance. By force. Par la force. Then cease the work of the house of the Lord. Alors il a arrêté l'œuvre de la maison de l'Éternel. And then prophets came on the scene. Et those les prophètes sont venus et disent voici les. Amen. The prophets, chapter 5 and verse 1 and 2. The prophets, then the prophets, Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient à Juda pour briser les malédictions par leur ministère. Et je suis l'un de ces charpentiers par une plus grande force pour ramener tout ce que les cornes des nations ont volé, ont détruit. Et cela revient dans votre vie. Beaucoup ici marcheront dans des milliards sans jouer de mauvais jeux. The law shall count what shall write of the people. This man was born there. Et il sera dit de cet homme. Cet homme vient de là. Ce sera le témoignage d'une personne. And that man was born there. Et cet homme vient de là. He said the Almighty himself shall establish her. Et l'Éternel lui-même les établira. But we must be conscious of these forces. Mais nous devons être conscients de ces forces. Sinon, nous irons en cycle. Nous tournerons en rond. We need c'est pourquoi nous avons besoin de revêtements de puissance pour maintenir le plan de domination de Dieu pour l'Église. Nous avons besoin d'être revêtus de puissance.
Lord, did you not sow good seed in thy field? How is it grown tears? Seigneur, tu as mis des bonnes semences sur ce champ. Pourquoi les mauvaises herbes ont poussé? C'est un ennemi qui l'a fait. Lorsque nous sèmons des âmes, nous donnons des sacrifices et nous payons des dîmes, il ouvre les écluses des cieux. Mais il y a un ennemi qui a fermé la porte et tu l'as regardé. Tout ce que vous ne voulez pas, vous ne regardez pas. Tout ce que vous ne résistez pas a le droit de rester. Et tout ce que vous n'affrontez pas, vous ne pouvez pas conquérir. Stop watching your life. Donc, arrêtez de regarder votre vie dans la stagnation. Engage higher forces. Engagez de plus grandes forces qui sont disponibles par sur l'autel de la prière et du jeûne. Stop watching it. Arrêtez de regarder ça. I saw the church crawling. J'ai vu l'église ramper. Elle dit non, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. So I told the staff, I said, et j'ai dit à l'équipe, j'ai dit maintenant, on va, nous étions quatre. So we began 3 days prayer. Et nous avons fait 3 jours de jeûne. Pourquoi cette église ne grandit pas? And then suddenly, et soudain, he showed me a layer of thick darkness. Il m'a montré une ouverture de ténèbres autour sur l'église. Et il m'a pris, lève-toi, suis-moi. Jesus was praying. Et Jésus priait. Moïse et Élie sont arrivés. It's an altar of encounter. C'est un autel de rencontre. He showed me the devil is the one misinterpreting. Il m'a montré que c'est le diable qui interprète mal ce que je fais dans cette église. You know why? Il y a beaucoup d'églises qui ne fonctionnent pas parce qu'il a fermé ses églises. Même si les gens viennent devant la porte, c'est église fermée. Donc lorsqu'ils viennent, ils disent oh c'est fermé, ils s'en vont. Vous trouvez fermé sur la porte. Les gens marchent, mais ils ne le voient pas. C'est fermé. Alors la destinée de l'église s'est ouverte. Ayant vaincu l'ennemi par le revêtement de puissance qui est venu sur l'autel de prière. Ne laissez pas votre vie rester stagnante. C'est votre temps pour un changement d'histoire. C'est tellement vital. Beaucoup de choses se sont arrêtées dans notre vie. Beaucoup de choses se sont arrêtées par le diable. Et nous utilisons des techniques humaines pour regarder. Vous ne pouvez pas maîtriser le diable par la logique. Vous ne pouvez pas engager la psychologie pour vaincre l'ennemi. Dis à Dieu, tu es tellement redoutable par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent devant toi. Ce n'est pas l'économie, l'environnement. Is the siege of the devil, mais c'est un siège du diable certain things to cease in your life. Qui a fait que certaines choses s'arrêtent dans votre vie. So, engage the power of God, engagez la puissance de Dieu to subdue your enemy. Pour vaincre vos ennemis. And then you triumph et glorious. Ainsi vous triomphez glorieusement. Let me hear your loudest amen. Je vous entends dire amen. So, it's not trade by butter. Donc ce n'est pas le commerce où les envoie un naira et je te ramène 20 naira. Mais c'est une marche d'alliance. Et cela ne produira au maximum que par vos spiritualités et en vous conformant à toutes les exigences qui font marcher les choses. Donc, on ne commande pas la domination financière seulement par la pratique de l'alliance, mais nous le maintenons par le revêtement de puissance qui maintient l'ennemi à l'écart. No more wasted seed in your life. Plus de semences gaspillées dans votre vie. The advancement of the kingdom requires enormous financial resources. L'avancement du royaume nécessite des ressources financières énormes. And God is busy looking for et Dieu cherche channels, des canaux, trustworthy channels, des personnes dignes de confiance through whom he will push him à travers lesquelles enormous resources il va pousser ses ressources énormes pour la promotion de may son you royaume. Be found worthy, que vous soyez digne. And may you take responsibility to sustain it. Et que vous preniez la responsabilité de maintenir your life
votre vie, vos activités ne souffrira plus de retour en arrière. If you ask the devil, de vous demander au diable, quels sont les ministères que tu veux arrêter au Nigeria? Que peut-être on lui demande de citer par priorité. Vous savez que votre ministère sera à la tête parce qu'à cause des maux de tête que nous lui donnons jour et nuit. Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Parce que nous le maintenons en dessous. Il est soumis. Undeniable and proven empowerment. Par un revêtement de puissance indiscutable et prouvé. I stopped counting. J'ai arrêté de compter lorsque j'avais 15 ans. It was 25 times I was face to face with death. Il y avait 25 fois que j'ai été face à face avec la mort. Parce que j'ai déjà la domination sur ça. Donc il n'y a plus de raison de dominer. Tu viens le matin, je te domine. Tu viens le soir, je te domine. Glory to God. Gloire à Dieu. Even in my sleep. Même dans mon rêve. You know, he visits some people in the sleep and kill them so they can't wake up. Il y a des gens, on les tue dans le rêve, ils ne peuvent pas se réveiller. Je me suis vu dans un cercueil un jour. Et j'ai dit dans mon rêve. Parce que la parole qui entre dans votre esprit demeure pour toujours. Votre esprit ne dort pas. J'ai dit pauvre diable. Il n'était pas écrit. Il n'y a pas de sagesse dans la mort. Tu dois être stupide. Personne ne peut se voir dans le cercueil et rester là. Maintenant, dans le rêve, dans le rêve. Je parle du revêtement de puissance, pas une pratique religieuse. Je suis vainqueur, je suis vainqueur. C'est une carte d'identité. C'est tellement vital, peuple de Dieu. Rester revêtu de puissance. The cost of staying in power is not comparable with the devastation. Le prix du revêtement de puissance n'est pas comparable à la dévastation du manque de puissance. Rester revêtu de puissance. Celui qui écoute ces choses et qui les fait, je le comparerai à un homme sage qui construit sa vie sur le roc. Le vent souffle, mais ne la fait pas tomber parce que sa vie est bâtie sur le roc. Donc, faites ce que Dieu vous demande de faire. La percée aujourd'hui et la chute demain, et après la percée après-demain. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Can I tell you something? Puis-je vous dire ceci? We've never had one day setback in our finances in 38 years. Nous n'avons jamais eu de reculons dans nos finances pendant 38 ans. Il n'y a jamais eu une année. Où la suivante a eu un naira de moins. Et je vous dis la vérité en Christ. Et nous n'avons jamais appelé un homme pour le faire. Si tous nos pasteurs disent qu'ils ne donnent plus, cela n'affectera rien. Si tous nos pasteurs se rencontrent après ce culte, on ne donne plus. Cela n'affecte pas. C'est une alliance qui est soutenue par la responsabilité. Soutenue par la responsabilité. Maintenant, puis-je vous dire aussi, et je vous le dis devant le Dieu Tout-Puissant, je n'ai jamais eu de recul en arrière dans mes finances personnelles. Cela veut dire qu'il n'y a aucune année depuis que j'ai commencé cette marche d'alliance qui était moins que la précédente. Dieu ne ment pas. Restez dans l'alliance et restez revêtu de puissance et laissez-moi voir le diable qui peut vous empêcher d'avancer. Acclamez fort le Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Nobody giving other people food today will beg for food tomorrow. Il n'y a aucune personne qui donne de la nourriture à d'autres personnes aujourd'hui qui va mendier demain. No landlord here today will become a tenant tomorrow. Il n'y a aucun propriétaire ici qui deviendra locataire demain. Nobody here will ever withdraw his children from going to school. Aucune personne ici ne va retirer ses enfants de l'école. No lender will harass your life anymore. Aucun prêteur ne va harceler encore votre vie. Now let me try to close by. Maintenant, je vais conclure en envoyant the picture of Job to bear. L'image de Job. Job was an ardent covenant practitioner. Job était un pratiquant de l'alliance. He told us the secret.
Il nous a donné le secret que Dieu lui a montré. Job 29, verse 4 to 17. Job 29, 4 à 17. Donné aux and then pauvres. We saw in chapter 1, nous avons vu dans le chapitre 1 the every morning. Le sacrifice tous les matins. An addicted donc, covenant il était un pratiquant de l'alliance. And so built, God built a huge financial fortune. Et Dieu a bâti une énorme fortune financière pour lui. You are blessed the works of his hand. Il a béni l'œuvre de ses mains. Increase in the land. Et sa fortune s'est accrue énormément. C'est une preuve de la bénédiction d'alliance. One day the devil came and hit. Un jour le diable est venu frapper. And everything went off in a matter of days. Et tout a disparu en quelques jours. Everything went off. Tout a disparu. Le feu a tout brûlé. Everything went down. Everything was tout down a disparu. Alone. Tout a disparu. Now hear what the devil. Maintenant, God said, Satan, where are you coming from? Et Dieu a dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de ça et là. Je cherche qui dévorer. Up and down on the earth. Il est là, il va ça et là sur la terre. Then I saw Job. I came here. Et j'ai dit Job, je suis venu là pour lui. Why? Pourquoi? I saw him in fear. Je l'ai vu dans la peur. And have you not said the fear of man brings him grace? Et n'as-tu pas? Why should he not be snared? Pourquoi n'aurais-tu pas peur? He's the accuser of the brethren. S'il n'est pas piégé. So he hit at Job. Il a frappé Job. Only his soul was spared. Seulement son âme était préservée. No matter the level of fortune, peu importe le niveau de fortune, don't stay empowered, si vous ne restez pas revêtu de puissance, vous courez un risque. Vous courez un risque. This is the acid test. Voici le test d'acide. Fear, la peur, is a proof of absence of power. Est une preuve du manque de fear puissance. Is what? La peur est quoi? A proof of c'est une preuve of du power. Manque de puissance ou de l'absence de puissance. Living in fear. Vivre dans la crainte, c'est une preuve que vous manquez de puissance. You don't need no prophet to tell vous n'avez pas besoin de prophète pour vous dire cela. The lion, which is strongest le lion qui est le plus fort des animaux et qui ne tourne le dos à aucun. Power la puissance is the cure for fear. Est le remède contre la peur. God has not given us the spirit of fear, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, but of power. Mais de puissance. But of power. Mais de puissance. So it's the spirit of power. Donc c'est l'esprit de force qui soumet la crainte. 2 Timothée 1:7. 2 Timothée 1:7. Fear made Job vulnerable. La crainte a rendu Job vulnérable. Suffered the worst of devastation anybody can imagine. Il a souffert la pire dévastation qu'aucune Thank personne God ne puisse imaginer. Dieu merci que la miséricorde l'a ramené sur pied. Take responsibility. Job had no Bible. Prenez la Job n'avait pas de Bible, on peut l'excuser. Job never had this kind of teaching. Job n'a pas eu ce genre d'enseignement, on peut l'excuser. There is no way where Job fasted. Donc il n'y a aucun endroit où on indique que Job avait jeûné. David sustained his word till death. David a maintenu sa fortune jusqu'à Because la mort. My soul thirsted for thee, parce my flesh que mon âme soupire après toi et mon corps. It was praying three mon times âme a soif de toi et mon corps soupire près de toi. Donc il priait trois fois par jour. Solomon ate and ate and ate away all his wealth. Salomon a mangé et a mangé toute sa richesse. To sustain the kingdom. Et il a commencé à peser sur les gens pour maintenir le royaume. Every gift from heaven comes along with responsibilities. Tous les dons du ciel viennent avec des responsabilités. Stay empowered. Restez revêtus de puissance. The only way to sustain la seule façon de maintenir votre domination financière dans ces derniers temps. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Finally, this morning, et finalement, as we heard in the announcement, comme nous l'avons entendu dans les annonces, we are taking on an aspect of what and grace is also to maximize the season of prayer. Mais on voit un aspect de ce qui nous donne la grâce de maximiser la période du jeûne et de la prière. C'est penser aux besoins des nécessiteux de ceux qui ont besoin. Dieu nous a donné la direction. To be part
of putting smiles on the faces partie de ceux qui donnent un sourire aux hommes et aux femmes qui sont dans les différents camps de réfugiés au Nigeria. By the data available to us, par les données disponibles, 690,804. Nous avons 690,804 Nigérians struggling for survival by no fault of their own. Qui ont du mal à survivre, pas par de leur faute, will be part of their joy. Mais nous allons faire partie de ceux qui leur donnent la joie. Nous allons leur redonner la joie. Among that we have over 370 children. Nous avons plus de 307 enfants. The needs are diverse. Les besoins sont government divers. NGOs are helping. Les ONG gouvernementales aident. But everybody has an opportunity. Mais c'est une opportunité pour faire partie de la joie de ces individus qui traversent des difficultés dans leur vie. 146,000, nous avons 176,000 hommes, 170,000 femmes et plus de 700 enfants qui sont éparpillés dans 11 États du Nigeria. Why there are only six camps in Benue? Il y a 6 camps à Benue. There are 22 raised down communities where natives strive to survive. Il y a 22 communautés où les habitants locaux ont du mal à survivre dans leur village et vivant pour la plupart sous des tentes. The Bible says in Isaiah 58 and verse 6, la Bible dit dans Ésaïe 58, verset 6, n'est-ce pas le jeûne auquel tu prends plaisir? You let the oppressed go free. De laisser les opprimés that you break every yoke, et briser tous les jougs. Au verset 7, is it not to deal thy bread to the hungry, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. And thy righteousness et ta justice marchera devant toi. There is no commandment without il n'y a benefits aucun attached. Commandement sans des avantages qui sont attachés. As you get committed, alors que vous vous engagez to this altar of sacrifice, à cet autel de sacrifice, your health will spring forth votre speedily. Santé germera promptement. Your righteousness will be enhanced with et God. Votre justice sera améliorée avec Dieu. In verse 10, verset 10 of the same scripture, de la même écriture. And if thou draw out thy soul to the hungry, et si tu donnes ta subsistance and satisfy the à celui qui a faim, si tu rassasies l'homme indigent, ta lumière se lève sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. May your commitment, que votre engagement to this opportunity, à cette opportunité change, your level forever. Change votre niveau pour toujours. Why the church has been involved, pourquoi l'Église s'engage encore et encore dans certains de ces camps pour donner des aides, des premières aides. Dieu donne l'opportunité à tous les membres de cette Église et de ceux qui sont au Nigeria qui sont impliqués dans ça. C'est une opportunité pour notre changement de niveau dans la vie. Donc, vous avez des habits, des vêtements inutilisés, lavez-les, repassez-les. For male, for female, inscrivez for children, bien dessus si c'est pour des hommes, des femmes ou des enfants. You have multi-purpose materials like blankets and all that. Des couvertures, des choses. They are going through cold. Ils traversent le froid. Put all of that together. Mettez rassemblez toutes ces choses. Et dimanche prochain, our humanitarian seed, nous venons avec nos semences humanitaires pour honorer Jésus. Amen. However, toutefois, for everyone that desires to be part of feeding the hungry, tous ceux qui veulent faire partie de ceux qui nourrissent les nécessiteux, n'envoyez pas la farine, mais envoyez l'argent pour qu'on commande chez des fournisseurs afin qu'ils envoient directement dans les camps. Will you be part of it? Allez-vous faire partie de cela? Are you glad to be part of it? Your generation after you, none will know the les descendants après vous, aucune personne ne connaîtra un camp de réfugiés. Not one of your generation will sleep outside. Aucune personne dans vos descendants ne dormira dehors.
What more? Quoi d'autre? Psalm 41 and verse 1 to 3. Psaume 41 verset 1 à 3. That considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. Béni soit celui qui s'intéresse aux pauvres, car l'Éternel le délivre dans la détresse. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous sauvez de la détresse. The Lord will preserve him. L'Éternel le garde. What are you doing? You are giving Qu'est-ce qu'il fait? Vous garantissez votre préservation et lui conserve la vie. Qu'est-ce que vous faites? La mort prématurée est annulée de votre vie. Il est heureux sur la terre. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de toute forme de malédiction, malédiction générationnelle, héréditaire, diabolique, démonique, démoniaque, pardon. Parce que la bénédiction est le remède contre la malédiction. Aucune personne ne connaîtra toute forme de malédiction dans sa vie. The Lord shall strengthen him upon the bed of languishing. L'Éternel become your personal physician. Le soutient sous son lit de douleur. Il est votre médecin personnel. He will make his bed in Et tu soulages dans toutes ses maladies. Tu le soulages Now, dans toutes ses maladies. This seed Et cette semence will confer dominion over donnera sickness la domination and disease sur on your les maladies et les infirmités dans votre vie. And as our custom is in this et church, tel qu'il est de coutume dans cette église, that anyone gives tout ce que vous donnez pour son enveloppe, il doit écrire semence humanitaire. Et si vous donnez par chèque, vous dites fait tabernacle humanitaire. Et cela sera entièrement donné sans qu'il y ait un centime qui soit laissé en arrière pour s'occuper de ce besoin au nom de Jésus. Et quoi d'autre? L'Église mettra ses ressources pour soutenir tout ce qu'il faut pour compléter les dons qui sont faits. Donc, si vous donnez un sac de riz, si vous voulez donner un sac de riz, écrivez derrière l'enveloppe un sac de riz. Quelqu'un donne 10 millions pour la nourriture, vous mettez 10 millions, vous mettez nourriture sur l'enveloppe. Quelqu'un qui donne 100 millions, pareil. Donc, dès que c'est dans votre cœur, cela viendra dans vos mains. Et c'est ainsi que ça marche tout le temps. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. We were sending relief materials to nous envoyons de l'aide humanitaire. Et nous avons tout emballé. Et j'ai pris mon chapeau d'évêque. Et ma femme dit pourquoi? J'ai dit ben, c'est pour les évêques qui sont là-bas. La vie est tellement fascinante en servant Jésus. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. So I don't wear the cap. So what is he doing? Je ne porte pas le chapeau d'évêque, donc pourquoi qu'est-ce que j'en fais? Amen. How many will get involved in this? Combien de personnes vont s'engager Amen. Dans ça? You have given used clothes, vous donnez des vêtements utilisés, mais vous ne donnez pas de nourriture. Parce qu'il vous faut un corps pour mettre des habits. You need your body to wear vous avez besoin du corps pour porter If des vêtements. Si c'est un naira, peu importe. Un naira plus un naira égale à deux. Un naira plus 100 personnes, ça fait un naira. Si un homme donne selon ce qu'il a, c'est accepté. N'essayez pas de vous vanter. Dieu connaît votre niveau. Donnez à votre niveau. Vous avez trois vêtements, vous donnez un. Donnez avec joie. Repassez correctement, vous le donnez à Jésus. Qui l'enverra vers eux. Quiconque donne aux pauvres prête à Dieu. À qui vous donnez? Donc, emballez-le comme si vous prêtez à Dieu, pas donner à des pauvres. Ce ne sont pas des pauvres, ce sont vos voisins. Vous serez à leur place, mais la miséricorde vous a gardé. 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 Et la miséricorde continuera de vous garder. Acclamez fort le Seigneur.